Onyamama, c'est moi, Hikaru. Et aujourd'hui, question très simple. Combien d'habitants on peut avoir au maximum? On va vraiment essayer de toucher millions pour de vrai, parce que là, j'ai enfin un bon PC. Et je vais full build une map qu'on va choisir ensemble, et on va voir combien on peut avoir d'habitants. J'enlève argent limité, on va essayer de jouer ça tranquillement. J'enlève tout débloqué, parce que comme je l'ai dit, on va essayer de jouer ça tranquillement. Et pour l'instant, on va se mettre ça en realistic population. Et on est parti, les amis. Quelle map prendre? Alors, je pense qu'on va prendre celle-là. Le lieu adapté à la construction est pas mal. Il y a du boy. On construit une table, ça marche pas. Il y a de l'eau, des îles, tout ce qu'on veut, c'est magnifique. On démarre comme je démarre la mer à Monkey. Catastrophe aléatoire, vas-y, pourquoi pas. Un peu de challenge pour une fois. Et oui, je vais finir par passer sur le 2, hein. Mais laissez-moi le temps. J'ai encore des expériences à finir, les gars. Et on a le son du jeu aussi, comme j'ai changé de PC. C'est un peu chiant. Volume ambiant. Bouf, tu dégages. Le gazouilleur, pareil, tu vires, mon gars. Et on est sur le jeu, c'est très très fluide, j'ai jamais vu ça. Waouh, je kiffe, je vibre. Et on va pouvoir commencer par faire un quartier. Oh, on a les trains qui s'arrêtent déjà ici. Pas mal, ça. C'est très très bien, même. On commence direct par faire un gros grid de l'espace. Faut pas qu'on perde de place du tout. Ils vont tous vivre les uns sur les autres, c'est comme ça. Et c'est tout, si t'es pas content, et bah, fallait pas voter pour moi, merde, mec. Comment ça, y'a pas d'élection dans le jeu? Conteste mon autorité, la honte. Et voilà, on a un grid de l'espace. On a plus énormément d'argent pour l'instant. Donc on va poser un traitement des eaux là-bas. Pas être trop dégueulasse, ça coûte cher, putain. Et un fat d'eau qu'on va foutre, j'en ai aucune idée. Bah, je dirais par là pour l'instant, pourquoi pas. Ici, on relie les deux. Boy. Et on va marcher pour l'instant à l'éolienne. J'ai pas trop de thunes, les mecs. De toute façon, Mélenchon a été élu, c'est fini, les centrales nucléaires, le charbon, tout ça, on passe à l'éolienne, les mecs. Hein. On va zoner tout ça, respectueusement, hein, on essaie de pas foutre la merde, hop, comme ça. C'est un zonage digne de Paris, là, hein, avec gueule du zonage, toi. Là, on laisse un petit espace, on fera des trucs ici, hein. Et on peut lancer la partie. Oh, j'ai le temps comme ça, là, bah c'est pas mal. Et bien évidemment, j'ai oublié de relier l'électricité là-bas, je suis bête. Ça devrait pas poser trop problème pour l'instant. On va laisser les gens venir s'installer chez nous. Regardez-moi ces habitants, waouh. On est déjà un petit hameau. On peut prendre un prêt. Je contracte. Je ne contracte pas parce que je n'ai pas signé de contrat avec cette entreprise. Et oui, elle est de retour, les mecs. Pour une fois que je peux la mettre, je vais la mettre. Et comme m'habite auprès d'une école primaire, j'ai un peu envie de la mettre partout, tu vois. Qu'est-ce que je viens de raconter? Waouh, je suis peut-être allé loin, là. Je vais mettre une école là-bas. Bah boy. Pareil, une petite clinique. Ça mange pas de pain. Et la décharge, on va la mettre ici, pourquoi pas tout là, vas-y, paf. Ici, ils sont reliés, ils sont contents, ils sont heureux et on passe déjà à un joli village, mais c'est magnifique. On va pouvoir contracter encore une fois. Pas les bibis, hein, range ça, Thibaut. Mettre une plus grosse école, un commissariat, une antenne de pompiers ici et une ici. Et maintenant, on peut s'agrandir, doucement mais sûrement. Et on n'a même pas le temps de s'agrandir, qu'on est déjà une petite agglomération. Pareil, on met un collège et on est reparti. J'ai plus de thunes, putain. On a un petit problème avec, avec la ligne électrique qui va là-bas. On va juste contracter le prêt de moins 10 000, là. Et voilà, c'est très bien pour nous. On va placer ça ici. Normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre dès maintenant. Et oui, tout est magnifique, tout est magique. Bon, on gagne pas assez d'argent, par contre, c'est fou, ça. Ouais, on a un petit problème, on va peut-être baisser le budget... de l'école et de l'incendie un peu. Que là, on perd de la thune quand même, hein. C'est bizarre, c'est étrange. Et l'argent, il faut remonter là. Hein. Pourquoi ça marche pas là? Attends, j'ai relancé parce que je crois qu'il y a un mode qui fait tout bugger là. Non, bah j'ai rien trouvé. Faut que je dégage du profit. Pour ça, on va baisser les services. On va faire la politique macroniste, les mecs. Tout ce qui est pas important, on vire à fouet là. Même l'eau, on peut s'en passer un petit peu, je crois. Et on revient en positif de pas beaucoup, mais on revient quand même. Je refinance un peu les écoles parce que là, on me gueule dessus. Voilà, ça va un peu mieux. Toujours pas ça. Pourquoi j'ai aucune demande? C'est une folie ça. Je me demande si c'est pas un problème de demande master. Bah pour en avoir le cœur note, je reviens, je désinstalle des demandes master. Ah, c'est bon, ça remarche. Ouais, donc c'est demande master qui foutait la merde. Pourquoi? Aucune idée, mais au moins maintenant je sais. De toute façon, je vais vous modifier mon mode pack et je vous mets tout dans la description. Le mode pack complet à jour, le dernier que j'utilise, comme d'hab. On commence à gagner sans moulaga. On peut refinancer tout ce qu'on veut. Par contre, on a plus d'électricité et ça, c'est un peu chiant. Il nous faut une grosse centrale à charbon. Et hop là, elle est posée. On met des parcs à gauche, à droite. Toujours bon de mettre des parcs, les amis. On veut une ville verte pour accueillir les Jeux Olympiques. Et on augmente le budget des parcs au maximum. Poum, rien que ça. Là, ils vont être heureux. Il faut aussi un nouveau centre de recyclage parce que là on est un peu dans la merde. Niveau traitement des déchets, ouais, c'est pas ça du tout. Et on est une agglomération florissante. Mais ça, je peux te dire, ça fait plaisir. Il me faut une autre usine à charbon. Ici, là, plus de commerce, bien évidemment, comme toujours. Ils sont très demandeurs. Et est-ce qu'on a des ressources sur la map? Pas du tout. Non, pas vraiment. Je vais voir les mettre moi-même, je pense. Genre ici, peut-être. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme ressources? Qu'est-ce qui pourrait être sympa? Je n'ai aucune foutre idée. Quelques champs, ça peut être sympa, allez. Voilà, ça fait quelques champs en plus. Je vais pouvoir peindre une zone industrielle. Faire un nouveau quartier ici. On va avoir des problèmes de circulation, moi je le dis. Mais c'est pas si grave. Et niveau industrie, on va passer du coup bâtiment agricole principal, il est là. Pouf.
coup. On a donc débloqué pas mal de trucs. On va les utiliser à bon escient. Et avant ça, il me faut de l'argent. Je vais faire agriculteur. Je vais gagner des milliers d'euros. Donc, ça marche pas comme ça. Force à tous nos agriculteurs qui nous regardent. Mais pas ensemble. Non, je rigole. Le mec, il est trop horrible. Putain, la moula coule à flot. Quel plaisir. Oh non, on a une centrale en feu, les mecs. Le brisole, vite. C'est bon. En fait, tout va bien. On a échappé à la catastrophe. Il en est de même pour l'environnement naturel de la centrale. Il est protégé, il est sous contrôle. Pour ne citer que le cerisier, par exemple, le cerisier donne des tomates tout à fait comestibles. Hop, niveau 2, notre zone industrielle, c'est pas mal. Hein. Commence à en faire des ressources produites. On a même des petits pâturages, c'est pas magnifique tout ça. Moi, je trouve ça magnifique. Ouais, ça me fait du bien. C'est une petite cochonne. Assez bonne épouse. Nos premières usines industrielles, des étables. Il va y avoir plus de champs aussi, donc je vais peut-être acheter ça. Voilà. Comme ça, là-bas en face, je peux refaire des champs. Voilà, mon gars. Ça fait pas mal de champs en plus déjà. On a atteint niveau 3. Bah bon, je suis occupé qu'à ça pour l'instant. Le reste, je m'en fous. Que je devrais peut-être un peu regarder parce qu'on a encore des problèmes au niveau des poubelles. Vite fait chiant quand même. On met la centrale au charbon juste à côté des champs. Je vois pas ce qui peut mal se passer. Si elle a des chromosomes en plus, c'est pas pour ça. Ça n'a rien à voir. Ne porte pas plainte contre l'État, s'il te plaît. Les complotistes. Les décideurs. Ça te va, les décideurs. Une salle de traite. Et non, je parle pas de celle-là, sapin, tu te calmes tout de suite. Ici, c'est des vaches, c'est pas des. Hein, des... Tu vois de quoi je peux parler en tout cas. Et ça rapporte pas mal du tout ça. Hein. Alors que je refasse un peu le périph parce que là, il mène à rien le pauvre. Ça me coûterait combien très cher, je pense. Mais on gagne pas mal d'argent en vrai, là, c'est pas mal. On est passé niveau max. Ah non, j'ai rien dit, on est pas niveau max. Mais j'ai débloqué l'abattoir. C'est assez grand, putain la vache. Je m'en mets un, pas deux. Ah, peut-être deux si j'ai rien dit. Si je prends ça là, paf, j'achète, je peux en mettre un deuxième normalement. Et voilà, un deuxième et même un troisième, mon gars. Hein. Avec ça, ils sont pas heureux, je sais pas quoi faire. Je pense que la zone est quasiment terminée. Et rapporte bonbon. On va continuer les routes pour full build, hein. Pas le choix. On a une grande agglomération, puis en même temps, je finis cette merde là. Wesh, ça explose. Je me chie dessus là. Voilà, c'est bon, je lance les grands plans quinquenno maintenant. Ça a aucun sens. Là, mon gars, ça build. Ça build tellement que j'ai plus de thunes, mais on a au moins 10% de la map qui est faite quoi. Ah, j'ai débloqué les hautes densités, j'avais même pas fait gaffe. Bah, vas-y, on va commencer par ça. On va juste remettre un peu d'eau, c'est assez complicado. Et ça commence à construire des choses vertigineuses. Pareil, j'ai commencé à poser d'incinérateurs. Alors, celui-ci, c'est un truc de triche, je vais pas utiliser. Hein. Et on va commencer à dézoner les faibles résidentialités pour les changer. J'en rajoute de la police parce que l'insécurité est un vrai problème en France. Et voilà, criminels sous les barreaux 20. Combien d'entre eux sont musulmans? C'est des vannes, j'ai le droit, ok? Moi-même, une partie de ma famille l'est, hein, donc j'ai le droit. Mais je le passe. J'ai pas le N-word pass, mais j'ai celui-ci. On va continuer le grand plan quinquennal. Hop, Staline a ordonné de supprimer tout ça. S'il le veut, c'est que le petit père des peuples a raison. Et c'est ainsi que Staline tue près de 2 millions de personnes d'un coup. Et c'est pour leur bien, hein. C'est comme quand la NUPES va voler votre épargne, les mecs. Vous savez, vos pauvres 500 euros qu'il y a dans votre livret. Et hop, à la poubelle, tout ça pour la dette, les mecs. C'est pas grave, ils sont gentils. Puis Amma Dufour, elle est quand même vachement belle. En plus, elle ressemble à une actrice que je connais bien. Plein régime, faites passer une zone d'un au niveau 5. Eh bah putain, usine alimentaire. Mais ça me le faut ça. Hein. Elle est où? Elle a 200 000. Oui. Bah je les ai, mais j'espère que ça va être plutôt bon quand même. Hein. Allez, marche par pitié. Ah, il me faut du papier, du plastique aussi. Et tu vas voir ça, hein. Mais du coup, il me faut d'autres usines. Mais normalement, ça va se vendre comme des petits pains. Ça. Je mets d'autres antennes de pompiers parce que pas envie qu'ils crament comme leurs ancêtres dans d'atroces souffrances. Parler des sorciers. Hein. Faudrait que je parlais de quoi? Mais t'es un malade toi. Je m'étouffe de tout racisme. Niveau industrie, je vais refaire une industrie, mais cette fois-ci de pétrole par ici, là. Sur l'île, ça me semble pas trop mal. Placer un peu de pétrole comme ça. Ouais, ça me semble convaincant. Et peut-être des minerais ici, là. Comme ça, on aura presque toutes les usines disponibles. Avec peut-être un peu de bois aussi. J'ai carrément oublié le bois par ici, là. Oh, ouais. Voilà. Je crois que j'aurais jamais autant joué avec les industries que dans ce jeu. Enfin, dans cette partie, plutôt. C'est magnifique. Il est temps de remplacer tout ça. Au moins une partie comme ça, plutôt. Par des gros immeubles. Hop, on va perdre quand même 2-3 000 habitants. Mais dans la long run, c'est pas mal. Comme les commerces, on va tous les virer. Comme Bardel a viré, je finirai pas cette phrase. Et voilà, tous les commerces vont être grand remplacés. Et j'ai oublié de monter les impôts en plus. Voilà, ça va passer à 13%. Pareil là-dessus et pareil là-dessus. Et je vais commencer les autres industries, comme ça ce sera déjà fait. On va poser de la scierie. Je parle pas de bombes, les mecs. Hein. Rien à voir pour le coup. Et les minerais aussi. Même si j'ai plus une thune, on va recontracter des prêts. Voilà. Et on est passé à la grosse ville. Et je parle pas de ta grosse mère là. On va faire comme s'il ne s'était rien passé, les amis. Si je clique sur ces boutons, normalement j'ai gagné plus d'argent. Et ouais, regarde, j'ai à peine cliqué, je fais x2. C'est magnifique. Alors les parcs, j'ai oublié d'en reposer depuis tout à l'heure. T'en reposer quelques-uns, voilà, comme ça. Avec des gros aussi, hein. Je dois qu'il y ait l'usine de pétrochimie. D'accord, pour commencer à faire du plastique. Pareil pour le papier, je crois. Je crois qu'on a tous les ingrédients presque. Papier, plastique, ouais, après on est bon, hein. Ça va pouvoir commencer à produire. J'espère que ça rapporte la masse, hein. On met l'eau et on a terminé carrément toute une partie de la map. Après, ça va pas se construire du tout parce que c'est beaucoup trop gros. Donc on viendra à la fin de la partie avec Demande Master pour tout build. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça fait quand même un bon bout de chemin là, hein. La vache. On a une grande ville, j'ai bloqué le troisième prêt. Ça veut dire qu'on va pouvoir commencer le périph. Du coup, ça, hop, on supprime. Là, l'autoroute, on va faire une grosse boucle sous la terre. Et j'ai déjà plus de thunes, putain, ça coûte bien plus cher que prévu. Bon, on va attendre un peu, hein, mais bon. Complexe.
ce bail. Par contre, je remercie mon PC parce que normalement, avant là, je l'agrée un peu quand même. Là, ça se passe plutôt bien. Là, ça fait un immense rond-point en fait. On peut faire quelques sorties à droite à gauche. On a fait toutes les entrées. Il n'y a plus qu'à faire les sorties maintenant. Et ça pourrait être banger. Et Marshall, oh putain. Ah oui, il déconne pas, hein. Ça, c'est cher. Ok, on a fait pas mal de sorties déjà. Ça devrait aller un peu mieux. Et on va enlever les dernières maisons comme ça là. Paf, dégage. Faire un peu plus de commerce comme ça, tiens. Il me faut plus de crématorium parce qu'à niveau cimetière, on est dans la merde. Voilà, ça devrait être pas trop mal. Je pense pour éviter les problèmes de circulation, je vais peut-être faire une immense zone piétonnière. Piétonne. Il y a moyen que ce soit pas mal aussi, hein. Une bonne idée. Genre toute cette case là, si je fais juste des résidences en zone piétonne, ça peut être stylé. Ah oui, j'ai oublié, ça fait perdre plein d'argent. Putain, pour ça, il me faut donc ceci. Et pour ça, on va mettre un trolleybus, je pense. Je pense que ça peut être sympa. Putain, on a un tremblement de terre magnitude 10. Oui. Ah, d'accord. En plein milieu de la ville en plus, sinon c'est pas drôle. En plein milieu de la ville, quoi. Putain. Yazabi. Bon, moi, elle est produite. J'ai rien d'autre à dire. Niquer toutes mes routes, le seum. Oh, il y a un tsunami en plus. C'est n'importe quoi. Je suis absolument pas d'accord. J'ai toujours pas de métro, ça serait aussi un peu con. Je vais peut-être en faire un immense métro, tu sais quoi. Peut-être sympa. Je continue la zone piétonne. En faire un gros truc. Oh, ça vaut le coup, hein. Même c'est que ça coûte très très cher. Mais je crois que c'est rentabilisé au fond. Faut voir. C'est vrai que j'ai jamais fait d'école, putain. La dinguerie, j'ai carrément oublié. T'en faire quelques-unes, hein. Tant que j'ai de la thune. Université. Mais centrale à fuel, ça c'est bien pour mécontenter notre chère Angela Merkel. Qu'est-ce que je la baiserais bien, cette petite milf. Le mec, il pète un câble. On a pas mal de problèmes d'acheteurs. Je pense que je vais commencer à faire un train. Ouais, il est où le train? Il est où? Il est où? Il est là. Un train de marchandises. Et waouh. On relie tout ça au train qui est plus là-bas, je crois. Voilà, on a une entrée de train enfin. Il nous manque de l'électricité. Ah non, j'ai rien dit. Je vais faire plus de train parce que mine de rien, c'est quand même important. Une capitale, les gars. Il a le con à qu'à bien se tenir, cette. Le mec, il va un peu loin. Il m'en fout encore en plus, on sait jamais. Genre un, peut-être ici, là, c'est pas mal. Hop, et on est pas trop mal, je pense. On va faire exactement pareil, mais avec les gares ferroviaires. Pour ça, on va les placer je ne sais où. Peut-être acheter cette case-là, voilà. Et en placer un ici. Après, il m'en faut plus, hein. Donc, pareil, dans les zones industrielles, pourquoi pas en placer quelques-uns. Pareil ici. Il n'y a plus qu'à les relier maintenant. Et on va essayer de faire remonter ça, même si là, la pente est trop inclinée. Et hop, on finit le rail de train comme ça. Et pas le rail de cocaïne, ça, c'est autre chose. Et je peux même faire des arrêts d'ici à là, à ici, et qui referme. C'est notre premier transport en commun, bien avant les métros, hein. On va voir si ça marche. Et on a un immense feu de forêt là-bas, j'avais pas vu, c'est un peu chiant. Par contre, on traite pas assez les déchets, donc ça, ça se fait direct. Mais là, ça commence à construire, hein. On est pas mal. J'ai juste continué la voie piétonne tant qu'on y est. Et pour l'instant, c'est vrai qu'elle attire pas full. C'est dommage, mais bon. Ça viendra peut-être après. On va juste chercher à tout quadriller le plus possible. On s'en fout qu'il y a un train qui passe, les piétons, ils vont marcher dessus à l'infini. Ça ne dérange pas. On montrer à accélérer et toutes les 5 secondes. Par contre, vu le nombre de trains qui partent, à mon avis, c'est pas mal utile ce qu'on a fait. Niveau circulation, ça doit aller un peu mieux quand même. Ouais, en fait, pas tant que ça. Mais au moins, ils ont des acheteurs, ils ont plus beaucoup de problèmes. Niveau passagers, on en a quelques-uns quand même, hein. Pas négligé. Est-ce que je peux faire un aéroport? Non, toujours pas. Dommage. Hop, je zone ce quartier de merde. Il n'a absolument aucun sens, hein, faut le dire. Tout ça, on va mettre de l'eau. Beaucoup d'eau. On n'est pas dans la pampa ici. On est une ville colossale déjà. J'ai rien demandé, hein. Reste loin de moi, toi. Recule-toi. C'est bien. C'est comme ça que je réagis dès qu'il y a un mec un peu trop foncé qui m'approche. Bon, c'est une balle, hein. Je sais qu'on est pendant les élections et tout. Les mecs. Hey. Oh, je suis second degré. On a fini cette merde sans nom. On va tout zoner et faire des milliers d'euros. Comme ça. On va peut-être faire juste un train. Et voilà, du coup, ça commence. Par contre, l'entretien nous coûte très cher. J'espère que ça va rentabiliser. Il faut aussi plus d'électricité. On galère un peu. Alors, boum, une centrale à fuel en plus. Et pourquoi pas quelques trucs géothermiques comme ça, là. Et ça commence à avoir de la gueule, hein, je te le dis, moi. Et à moi, tous ces hommes à pied. C'est quoi ce giga-feu, là? C'est les émeutes de Noël ou quoi, l'équipe? Moi, je pose des vraies questions. On va faire notre trolleybus. Je crois que c'est ça, hein. Ah, c'est juste un bus normal, ok. On rajoute des arrêts partout. Et c'est parti pour des bus de folie. Je vais mettre un cheat park, c'est quoi? Hop. La flemme de gérer les parcs, maintenant, on est assez loin dans la partie, quand même. Faut déconner. Ouais, c'est peut-être un peu cheaté, en fait. J'ai pas vu, mais c'est quand même vachement escarpé comme terrain, cette merde, hein. Et c'est une vie piétonne, hein. C'est-à-dire que les mecs, ils doivent se faire à monter, là. Oh, putain de merde. Y a du monde sur les rues ou pas? Ah, ça commence à grouiller quand même. Le périph' a l'air de marcher, mais c'est pas encore ça, putain. On commence à gagner plein de thunes par contre, hein. Hop, on va finir de tracer nos putains de lignes. On se fait chier à tout faire, manuel. Putain, je suis une machine, quoi. Hop, on va tout zoner, mon gars. Les plans de la ville, c'est digne d'une ville africaine imaginée par un vaudou, mon gars. Et ça me coûte 100 000 à chaque fois que je fais une ligne, frérot. Pire que la cocaïne, hein. Quoi, cette armée de policiers, là? Ah non, c'est des ambulanciers. C'est une dinguerie, ça. Quand il y a un attentat terroriste, là, c'est fou. Mon jeu lag toujours pas. Enfin, si, ça commence un peu à ramer, là, 62 000 habitants. Mais honnêtement, franchement, il est quand même pas mal fluide, hein. Mais moi, le jour qui passe, ça me fait plaisir. J'ai bien fait de vendre les enfants que j'avais dans la cave pour ce PC. C'était une bonne affaire. Ah, le mec qui me lâchait, il s'appelait Xavier. Xavier dit Pan de Legones. Un espagnol un peu bizarre. Un chic type. Ok, on est presque fini encore ça. Ça va nous faire combien de cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être long, moi, je te le dis, hein. Il faut toujours plus d'eau, c'est chiant, ça aussi, hein. Putain. Je vais faire ça pour être tranquille, mon gars.
C'est quoi cette bibliothèque là? Nationale. Ah putain, je la veux. Non, mais un petit problème, c'est que la population ne bouge plus, donc j'ai peut-être un stade de Mandmaster. Hein. Sinon, ça va être très très long pour moi, les amis. Pensez un peu à mon petit cœur fragile. Ok, bah regardez, j'ai quand même tout ça qui n'est pas zoné. Hein. Même ça, ouais, vas-y, tu sais quoi? J'ai juste zoné du commerce tout ici, et je reviens avec Mandmaster. Ça va build un truc de ouf. Hop, demande master, il est où? Il est là? Je t'ai trouvé, toi. Ah non, je parlais pas de toi, putain. Va-t'en. Ok, alors là, ça va être drôle, les mecs. On fixe la valeur. Et là, ça va build sévère. On va débloquer l'aéroport aussi, ça va être pas mal. On va avoir besoin, tu vas voir. Ah, j'ai oublié de mettre l'eau, c'est un peu con, ça. Métropole. Let's go. Rien à voir avec Thomas Crépole, ça, c'est juste une victime du terrorisme. Pas mal, mes vannes, en ce moment. Hein. À peine borderline. Faut que je mette une centrale nucléaire aussi, hein. Bon, ça devient un peu compliqué. On va mettre quelques aéroports aussi, hein. On va en avoir besoin. Ah, sans vraiment rien. Il reste plus que 3 cases, hein. Ici, ici et ici. On va attendre qu'elle se zone, puis ensuite on aura fini la taille maximale du jeu en vanilla. Je rajouterai Realistic Population pour voir jusqu'à où on monte. Mais ouais, on aura presque tout. On va débloquer les dernières zones. Voilà, ça. Et après, pire, je ferai un petit timelapse. Parce que attendre 200 ans devant le PC, bon, faut faire chez moi comme vous. Fini juste cette merde de route là. On va finir de mettre de l'eau sur un quartier de la map. Un truc que l'Afrique n'a pas réussi en 500 ans. On est juste meilleur quoi. Tous les jours, je me lève et je pleure tellement je suis supérieur en tant que... comme hétérosexuel, blanc, cisgenre, hétéronormé. On est européen, enfin, on est tellement supérieur à tout niveau. J'ai un peu loin, là, non? Je pleure surtout parce que j'ai une petite bite, mais ça, c'est autre chose. Bref, voilà, on a fini de tout zoner, putain de sa mère. On a quelques routes à faire, malheureusement. Et j'ai pas les thunes pour l'instant. Ah, j'ai pas vu, l'autoroute est complètement bouchée de A à Z. Il me reste plus que ça et une case, les gars, putain de merde. S'il y a une chose que ce jeu m'a appris, c'est que peu importe comment tu gères tes routes, frérot, il y a tellement de véhicules qui sont créés, c'est abusé. Tu peux rien faire. C'est un jour, je suis maire d'une ville, mon gars. Ouais, fais gaffe à toi. On va plus sortir de chez toi, mon pote. Ok, normalement, c'est la dernière rue et on a full build. Il n'y a plus qu'à attendre que tout se construise, les amis. Hein. Vous savez ce que je vais vous proposer? Un petit timelapse. En attendant, voilà, je vais faire une sieste. Demain, j'ai foot. Le foot, putain. Je mets juste de l'eau, histoire que ma partie ne meure pas pendant que je ne suis pas là. Regardez-moi cette armée d'usine de traitement des eaux. C'est un peu fou quand même. Allez, on se retrouve tout à l'heure, les amis. Et n'oublie pas que tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Hein. Allez, s'il te plaît. Bon, ça bute bien, là. Cool. Ok, alors je suis de retour, on est 300 000 habitants, mais c'est la merde. Tout est abandonné. Pourquoi? J'ai pas bien regardé. Ah, les personnes décédées, c'est ça le problème. Bon, on va faire quelques crématoriums un peu cheat. Et je pense qu'il est temps de passer avec le mode Realistic Population, parce que sinon, je doute qu'on ait le million. Je pense que la limite en vanilla, ça doit être 300 000. Hein. On doit y être là. En termes de limite, c'est simple. Ouais, c'est à peu près ce qu'on a comme limite. On sauvegarde. Et on revient avec le mode. Hop, je vais donc rajouter le mode Realistic Population. Hop, on est de retour. Et on va faire une énorme coupure. On n'a plus qu'à attendre maintenant. Ok, donc comme vous l'avez vu cette nuit, je suis monté à 400 000 habitants, puis après, bah, j'ai dépéri. Ouais, statistiques, on le voit, voilà, 400, 4000. Mais je donne pas mal à gauche, j'ai modifié le jeu pour que les bâtiments puissent plus être abandonnés. Et de deux, on va essayer avec 25 cases. C'est ça le problème, hein? Vu qu'on n'est plus dans le vanilla, on est vraiment dans le modé à donf. On a tout ça à construire, putain de merde. Au moins on a l'argent, tu vois, c'est bien. Par contre, la lenteur du jeu, waouh. Et en plus de ça, j'ai envie de me faire un métro. On l'a pas fait depuis le début. On va s'en faire un. Hop, on a nos métros, y'a plus qu'à faire les lignes. Et on a enfin terminé ce métro de la mort. À faire une ligne dans un sens, une ligne dans l'autre. Par contre, je perds pas mal d'argent, c'est assez chaud. Non, en fait, c'est juste que j'avais les budgets au max. Là, en changeant, ça va mieux direct. On a pas mal de morts aussi, hein. Y'a deux ménages à chaque fois par putain de truc là. La population augmente, hein. Y'a plus qu'à attendre, je crois. On a fait des nouveaux transports en commun. Enfin, pas grand monde utilise les métros. Mais j'espère que ça va monter. Est-ce qu'il y a de la mer quelque part avec cette map? Non, il y en a pas. J'aurais dû prendre un truc où il y a la mer pour faire des cargos. Bah, malheureusement, j'ai carrément oublié. Du coup, je vais commencer à faire les prochaines routes. Hein, j'ai pas le choix. Là, une route, ça me coûte combien? Ça me coûte 100 000. Ouais, ça va être assez cher, je crois. Franchement, parce que je tryhard, mettez un petit pouce bleu, les mecs, hein, ça mérite. Est-ce que Fuse il est jusque-là? Je crois pas, non. Est-ce que je suis meilleur que Fuse? Objectivement, oui. Et tout ça en survie, hein, pas sandbox. Hein. L'argent, je l'ai gagné. J'ai tout débloqué au fur et à mesure. Et ouais, là, c'est un peu long. J'ai enlevé mode Realistic Population aussi parce que je crois que c'est lui qui me fait un peu laguer. Donc autant que tout ça remonte un peu. Bon les amis, j'ai une mauvaise nouvelle, j'arrive pas du tout à regagner de la population, je reste stagnant. Donc à la question combien d'habitants on peut avoir au maximum, j'ai trouvé 405 000, c'est mon peak of all time. J'ai pas réussi à faire plus malheureusement. La prochaine fois que j'essaye c'est dans 6 Skyline 2 les gars. Et puis ça va, mon PC lag pas trop. Mais ouais, impossible de faire plus. Les morts, j'ai beau avoir posé 36 milliards de trucs, regardez-moi cette capacité de soins. Et en mortalité, regardez-moi ça. Regardez-moi cette capacité de crématorium, donc les morts vraiment c'est n'importe quoi quoi. Il y a des crématoriums à chaque coin de rue et pourtant ça marche pas. Bref. Puis c'est pas tant un problème de voiture parce que si on regarde, on n'a pas trop de bouchons en vrai. Enfin, je comprends pas pourquoi il y en a aussi peu. Si on a quelques petits problèmes, mais tu vois, c'est une artère du côté, c'est pas important. Hein. Bref, impossible de faire plus. Notre ville ressemble quand même à ça, hein, les gars. Je sais pas si vous rendez compte un peu de la dinguerie. Je me mets là comme ça, là. Waouh. Ouais, c'est assez abusé quand même. Hein. On va faire miniature.
chaud ici. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonner, etc. Bref, comme d'habitude, on se retrouve plus tard. À plus les mecs.